Frank Jones. Thank you all for coming tonight, and thank you to the ARP and to Radu for tonight, and for Lionel for doing this. Et merci beaucoup hein, d'être ici ce soir. Merci également à Radu d'avoir introduit la séance, au service de presse, et puis à M. Leclan qui va faire donc, les questions et la conversation en partie. I'll translate for you. He said bonjour. Merci. Oui, en fait, les questions, pas complètement seules, c'est-à-dire j'espère que évidemment vous allez intervenir. Donc moi je vais lancer un petit peu le débat, mais si bien sûr vous voulez intervenir, levez la main, je crois qu'il y a des personnes dans les allées pour vous donner la parole, bien évidemment. Alors juste pour parler de Spike Jonze, en fait Spike Jonze n'est pas simplement réalisateur, il est aussi producteur. Il a produit notamment la série télévisée Jackass, il a produit le premier film de Michel Gondry, Human Nature. Il a fait beaucoup de publicités et de vidéoclips, parmi lesquels des vidéos pour les Beastie Boys, les Chemical Brothers, Björk et j'en passe. Et il a réalisé trois longs métrages, donc Being John Malkovich, dans la peau de John Malkovich, Adaptation et Max et les Maxi-Monstres. Alors, ma première question, c'est qu'en fait, Spike Jonze a fait son premier film en 1999, son deuxième film en 2003 et son troisième film en 2009. Donc, il y a un choix délibéré, je dirais, chez un auteur comme Spike Jonze, de tourner peu mais bien. Donc ma première question, c'est de comment il envisage en fait son travail de réalisateur à travers finalement un ton qui est de faire un film tous les 5 ans et pas tous les ans comme le font certains réalisateurs. Yeah, we went out to dinner before this and Lionel was saying that he also is slow like me. And this movie took 5 years to make because of just because I wrote the script and then sort of the nature of it was very complicated. But it seems like every movie and the other movies both took 3 years and just sort of. And also, I guess I do a lot of other things. I shoot other things. I like shooting short films or music videos or skate videos or just doing other things, just making things. And so I think if I have an idea for a movie then that I'm really excited about, then I'll do that. But until I feel like I have an idea and that the movie is ready to be shot, and I'm not in a rush that I have to do it. Well, I guess the other thing I was going to say is I remember when I first did Being John Malkovich and I put it out the same year The Thin Red Line came out with by Terrence Malick. And I remember reading articles and he hadn't done a movie in 18 years and I thought it was so weird, and I was 29, I guess, at the time. And at the time, of like being 29, I was like, well, what was he doing? It must have been because he had like some nervous breakdown or something. But then like a few years later, as I got older and wiser I looked at it differently and was like, well, he was doing other things. There was other things in his life that were interesting or exciting him. That's my wisdom. Oui, donc en fait, on a dit ensemble auparavant avec Lionel de Planck, donc effectivement, il m'a confessé être comme moi, lent quand il réalisait des films. C'est vrai que ce film-là a pris 5 ans, je pense que peut-être parce que le scénario avait une nature un peu plus compliquée. Les autres films avaient pris 3 ans. Je crois que peut-être parce que j'aime aussi faire beaucoup d'autres choses. Je réalise des courts-métrages, je fais des clips vidéo, et puis
quand il y a une idée de film qui m'excite particulièrement, je réfléchis, mais je ne suis pas non plus dans une urgence particulière pour le réaliser. J'attends que les jours, j'attends d'être prêt vraiment. Hein. Et je me souviens par exemple que quand j'avais 29 ans, après avoir réalisé dans la peau de John Malkovich, il y avait eu le film de Terrence Malick, La ligne rouge, je crois, qui était sorti. Et à ce moment-là, Terrence Malick avait passé 15 ans avant de faire ce film-là, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il a donc fait, est-ce qu'il avait souffert d'une dépression, etc. Et puis, aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment, hein. Je suis devenue plus sage, et je me suis dit tout simplement que il y avait eu des choses qui étaient plus intéressantes, sans doute, dans sa vie, et qui avaient, comme ça, provoqué un laps de temps important entre deux films. Là, une petite tranche de ma sagesse. Mais donc, vous voulez dire, par exemple, que votre cinéma, par exemple, se nourrit peut-être plus de votre vie que du cinéma lui-même? Oui. Okay. Mais avec, si c'est une question pas très intéressante, je serais très court. Donc, Donc voilà. Alors, donc j'ai une autre question. Alors, en fait, Max et les Maxi Monstres je vais faire une courte introduction pour ceux qui ne connaissent pas le livre, en fait, est un livre pour enfants qui a été édité aux États-Unis en 1963 et qui est un livre, je dirais, culte aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, un peu en France, mais je dirais moins, mais surtout aux États-Unis. Et c'est un livre, je dirais, qui a été très important pour des générations d'enfants. Mais il faut dire que ce livre, que moi j'ai lu quand j'étais petit et que j'ai racheté tout à l'heure à la FNAC, en fait, est un livre comme Babar, ou Baba, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un livre extrêmement court pour un adulte. La version anglaise fait 100 mots, donc on peut dire que c'est très court. Et en fait, il y a des illustrations, et c'est un livre, je dirais, pour les enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Alors, ma question, en fait, c'est que très souvent, quand on est réalisateur et qu'on veut adapter un livre, alors si je prenais un extrême, ça serait Guerre et Paix, par exemple, de Tolstoï, qui est l'extrême, évidemment, mais en gros, c'est comment on va enlever des personnages, comment on va simplifier, comment on va se concentrer sur une trame narrative resserrée, puisque généralement, lire un livre, ça ne prend pas 2 minutes pour un adulte, mais ça prend 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Et donc, comment on fait un film d'1h40 à partir d'un livre qui fait 100 mots? Did you read the book when you were a kid? Yes. And can I ask a question? How many people read the book when they were a kid? Like maybe 20%. And how many people here speak English or understand English? Okay. How many people here are in the film business? Okay. And how many people here have a hard time waking up in the morning? How many people here are drunk? Okay. Alright, to answer your question, I'm just going to get to know the audience, and now I feel very comfortable with you. How do we take a short book? I think that the idea of taking the book, for those of you that don't know the book is, to me, it sort of reads like a poem, the way that the text and the writing work together. It's very sparse, but very evocative. And so the book, even though it is only 20 sentences, it leaves a lot of room for feeling and for you to sort of put yourself into it. And so this was just sort of what Maurice's poem was to me. And I'm not sure, is that? Oui, donc toutes ces questions, bien sûr, parce que j'ai besoin de connaître un peu le public, de manière à me sentir un petit peu plus à l'aise. Donc, pour revenir à cette question sur comment on adapte un livre court comme ça, je crois que
pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le livre, il faut dire qu'il se lit hein, d'une certaine manière comme un poème. C'est quelque chose de très très évocateur. C'est un livre où il y a peut-être 20 phrases, mais qui d'une certaine manière laisse beaucoup de place à l'émotion et vous permet d'y entrer. Hein. Je crois que voilà, c'est pour moi vraiment un poème. Alors, le film en fait marque une, je dirais, sinon une rupture, du moins, comment dirais-je, un changement dans, par rapport à vos trois films. Parce que alors, vous avez l'habitude de travailler souvent avec la même équipe, c'est-à-dire le même chef opérateur, chef décorateur, le même monteur, le même producteur. Et évidemment, le grand changement, c'est Charlie Kaufman, puisque vous avez fait deux films avec lui. Et là, vous avez choisi en fait de travailler avec un écrivain et vous-même de participer à la coécriture du film. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de ce désir de coécrire véritablement le film avec donc un auteur qui à la base, je le rappelle, n'est pas un scénariste mais un écrivain. The writer, I don't know. If he's known here, is a novelist, Dave Egger, and Dave Eggers, and he's a friend of mine who's just writing I love, so initially I started writing it by myself, and I just wanted to do it with somebody who was very, very lonely, and so I thought of Dave, and he came in and helped me write it, Co-writing. Donc oui, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais cet écrivain donc s'appelle Dave Eggers. C'est un romancier, c'est un ami également. Donc à l'origine, j'avais pensé écrire seul. Et puis, en fait, je me suis sentie très seule en faisant ce travail. Donc j'ai demandé à Dave de venir m'aider. Et puis voilà, on s'est retrouvés tous les deux. Non, vous voulez compléter? I guess you know the yeah, I don't know what else. No, no. Okay. Vous dites que ce n'est pas un film, en fait, pour les enfants, mais que c'est un film sur l'enfance. Alors, est-ce que vous voulez dire par là, en fait, que c'est un film, je dirais, y compris pour les adultes, sur la nostalgie de l'enfance ? I didn't set out to make a movie, a nostalgic movie, but I guess if it's nostalgic, you know, I am older looking back at childhood, so maybe that's in there, and you know, you're older watching it, looking back at childhood. But my intention was more to make a movie that felt like what it can feel like at times to be 9 years old. And so I guess nostalgia sort of has a sense of like a sort of through a filter, like a second generation, you know, like once removed. And I guess my intention wasn't to have it be removed, but to have it be very visceral and very immediate, and that you are seeing the movie through the eyes of a nine-year-old. And I guess if it's imbued with nostalgia, that's just because I failed. J'ai pas voulu faire un film nostalgique, hein. C'est vrai que peut-être je suis plus âgée aujourd'hui, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'était un espèce de retour sur l'enfance. Hein. Je voulais vraiment, d'une certaine manière, rendre ce que pouvait être le sentiment de ce que c'était d'avoir 9 ans. Hein.
Peut-être, la nostalgie, ça implique un espèce de filtre, peut-être qu'il y en a un là aussi, mais je voulais pas, en fait, je voulais surtout qu'on retrouve bien des émotions immédiates, quelque chose qui soit beaucoup plus viscéral, qu'on ait vraiment le sentiment de voir un film tel que les choses peuvent être vues par les yeux d'un enfant de 9 ans. Et j'ai peur que si on ressent de la nostalgie, c'est que quelque part j'ai échoué. Non, c'est que ma question est très mauvaise en fait. peut-être qu'il y a une question de la salle. J'ai d'autres questions. Hein. Oui. Voilà. Il y a un micro. Well, first of all, thank you for this amazing movie. And I was wondering, how did you choose the voice cast? Alors, une question, donc, merci pour ce film est très étonnant. Et comment avez-vous fait le casting vocal? The voice cast, it's similar to casting live action, where you're trying to capture somebody who, who sort of has the essence of what you need, and then this was a little different, sort of learning that what gets communicated with the voice and what gets communicated with somebody's physicality. With the cast was really like, you know, James Gandolfini was obviously the sort of linchpin, and you know, with James Gandolfini, I was trying to cast somebody who was emotionally raw and whose emotional wildness could really, had a big size to it. And you know, and I think, you know, Carol's character and what Gandolfini, who he is, you know, when he's in a good mood and he's in the room, everybody's in a good mood. He just sort of shines his light bright. And when he's in a heavy mood, everybody's in a heavy mood. And that's what we needed from Carol. And Gandolfini's emotions are right under his skin. And that's what I think he gave the movie. But it was just sort of going through the cast. Going through the characters, and sort of finding the right actor that could sort of bring out what we needed. Et en fait, faire un casting de voix, c'est comme vraiment choisir des comédiens qui vont aussi être là physiquement, ou choisir des décors. La question, c'est toujours la même, c'est-à-dire comment on va trouver la personne qui va réussir à rendre de manière juste ce que l'on cherche à rendre. Là, on est sur tout ce qui va être communiqué par la voix. C'est vrai que le personnage principal, hein, c'était Carol, qui est James Gandolfini. C'était une personne qui, d'une certaine manière, est très brutale. C'est quelqu'un qui a des qualités émotionnelles très, très, très rudes. Et il a un pouvoir assez étonnant sur les autres, c'est-à-dire que les autres suivent son humeur. Quand il est de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Quand il est de mauvaise humeur, il est triste, tout le monde suit également. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment ses émotions comme ça, à fleur de peau. Donc, il s'agit là, comme pour un casting ordinaire, de passer en revue les personnages et de choisir les comédiens qui pouvaient le mieux prendre par la voix. Alors justement, le film est très réussi, je dirais, d'un point de vue humain. C'est-à-dire que ce qui est très réussi dans le film, c'est notamment évidemment le rôle de l'enfant, j'y reviendrai, et l'enfant qui joue le rôle de Max, mais également, je dirais, les monstres, les maxi-monstres, qui en fait ne sont pas, comme vous avez pu le voir, en fait, des monstres en full 3D. C'est-à-dire que ça alterne en fait à la fois des acteurs qui sont dans des costumes, donc qui ont été faits par Jim Henson, et après, effectivement, il y a eu des raccords en 3D sur les visages. Mais du coup, ce qui permettait en fait aux comédiens d'avoir une interaction en fait entre le personnage, l'enfant et les monstres. Ma question en fait, c'est comment vous avez choisi cet enfant et surtout comment vous avez travaillé avec lui, je dirais, dans la direction d'acteur pour avoir ce résultat qui est très fort.
The way Max and I worked together was different than the way I'd worked in, well, usually in the films I've done before, we would shoot a take, I would talk to the actor, and we would film a take, and I would sit behind the camera and watch, and then after the take I would give notes. And on adaptation, it started a little bit working this other way, which was because Nicolas Cage in adaptation played in my second film, Nicolas Cage plays twin brothers, and so to do that role, I would work opposite him. I would play the other brother when he was playing one brother. I'd play the other. We did it in rehearsal, and then we did it in shooting. So it became a different way of working, where I'd be in the scene and I'd be able to sort of direct from in the scene by delivering dialogue, by feeding him, by reacting to him differently. You know, if I wanted to shift the performance, I could shift the performance from the tone in which I was delivering dialogue. And so that sort of carried over into just a more extreme way of the way I worked with Max, which was because, you know, he was acting opposite giant creatures. Sometimes we would have them do the dialogue. Sometimes we would have dialogue of James Gandolfini and Forest Whitaker playing back over speakers in the woods. But a lot of times I would climb up on a box behind camera and be in the eye line and do the dialogue with Max, or I would be... I had a little microphone, I put an earpiece. For 4 months he had an earpiece in his ear, and I would have a little microphone, and I whispered to him like this, and I'd be like, Max, they don't like you. I'd make up all kinds of stuff. I'd be like, Max, what's coming out of his nose? There's something really weird coming out of his nose. Oh, it's gross. It's poop. And then he'd smile, so like, he'd be like, you know, just get him to, like, you know, engage his imagination to, like, be in the moment. And we would just do stupid stuff a lot. Or I would do things. I didn't want him to have to, like, pretend that something funny was happening off camera or pretend that something intense was happening off camera. We just would create little plays off camera for him where we'd have a little box of tricks, and depending on what it was, we would have this box of tricks and pull it out, and like we'd do a lightsaber battle off camera, and he loves Empire Strikes Back, so I had two of the actors like do dialogue from like, ooh, I'm your father, and then so he would laugh, and then he would do his dialogue, or whatever it was. I thought he would think it was funny if I sprayed my friend Casey, who's our costume designer, with a fire extinguisher, and he did. So I said, okay, every time I spray Casey with a fire extinguisher, you say your next line. And so I'd spray him, he'd laugh and say the next line. And then, you know, and so it was a way of getting this, you know, scene that, you know, to get sort of spontaneity into the movie. And so we shot the movie, we basically just shot it in this very sort of freeform way. En fait, hein, j'ai travaillé avec Max d'une manière très différente hein, de mes films précédents. Généralement, je faisais toujours la prise, je la regardais être faite derrière la caméra, et puis après, je donnais quelques instructions, des remarques particulières, etc. Là, ça a été différent. Ceci dit, lors de mon deuxième long métrage, adaptation, avec Nicolas Cage qui jouait le rôle de deux frères jumeaux, j'avais déjà travaillé un petit peu différemment parce qu'en fait, je lui donnais la réplique, j'étais donc à l'intérieur de la scène et c'était effectivement en jouant avec lui que je me dirigeais et que j'avais une action sur ce qu'il rendait en tant que comédien. Hein, ça me permettait de lui donner comme ça une espèce de feedback qui avait une action sur son jeu. Pour Max, très très souvent, il était avec des créatures, il y avait des dialogues. Alors des fois, il y avait des dialogues, hein, notamment avec Carole, qui étaient rendus par des haut-parleurs. C'est le cas par exemple de la scène de la forêt. Il avait aussi
tout le temps du tournage, il avait une petite oreillette, donc à l'intérieur de laquelle je lui chuchotais des choses du genre « Max, il ne t'aime pas », ou alors « Max, qu'est-ce qui sort du nez de Carole, c'est quoi ce truc assez peu raboutant, oh là, mais c'est une crotte de nez », bon, des choses comme ça, tout ce qui pouvait peut-être l'aider à faire fonctionner son imagination pour jouer. Et puis après, on a aussi fait plein d'autres choses qui étaient derrière en fait la caméra des espèces de blagues, de scènes. Alors bon, on faisait des espèces de trucs, de tours avec des boîtes, on faisait des scènes de bataille, on reprenait des scènes de films, des choses qui pouvaient le faire rire. J'avais le sentiment que ça pouvait beaucoup l'amuser, que j'arrose avec un extincteur, en fait, la fille qui s'occupait des costumes, qui est une amie. Effectivement, c'était le cas, donc effectivement, on faisait tout ça. Et puis, il se mettait à rigoler, et hop, il lançait sa réplique suivante. C'était vraiment une manière de lui donner, de le faire travailler dans la spontanéité, en fait. Et les choses se sont... le tournage s'est déroulé après tous ces petits bouts comme ça de jeu de manière assez continue. I'll get shorter answers. et pour en revenir au monstre, comment s'est fait le enfin, comment vous avez décidé de les faire finalement dans un mélange de marionnettes, en tout cas de costumes, et pourquoi pas avoir opté pour la foule poignée, enfin, je peux imaginer pourquoi, mais en tout cas, est-ce que ce questionnement est venu très vite ou pas? Vous avez fait des essais, comment ça s'est passé? Yeah, because I think it came down to basically you can't hug a CG wild thing, and I wanted to hug a wild thing. La réponse est toute simple, hein. C'est qu'on ne peut pas prendre dans ses bras un personnage voilà, de 3D, alors, et je voulais qu'il puisse faire ça, Max, qu'il puisse étreindre ses monstres. And I'm only partially joking, because A, I really did want to have a wild thing, and B, I think that it's that visceral quality that makes that is what I wanted. I wanted it to be. I wanted the monsters to really be there. I wanted it to have this sort of a danger to it, and I wanted Max to be able to talk to them and lean on them and you know, just be physical with them and have them really be there in the dust and the dirt and the wind and the hair, and I thought I just wanted it. You know, I thought it was like taking Max seriously by making this world a real world as opposed to like a soundstage world. Je plaisante en fait qu'à moitié, hein. Effectivement, j'avais envie moi d'étreindre ces monstres, mais je pense que c'est leur qualité comme ça, très, très physique, viscérale. Je voulais qu'il y ait vraiment, que Max puisse leur parler, qu'il puisse s'appuyer sur eux, qu'il puisse vraiment y avoir un jeu physique et qu'on ressente aussi tous les éléments, la poussière, la boue, le vent qui allait faire bouger les poils. Et je pense que c'est d'une certaine manière, les rendre comme ça très physiques. C'était respecter Max, le croire, hein, et croire que ce monde lui donnait une réalité, en fait, et croire ce qu'il racontait. Et ce qui fait qu'on est très touché, je trouve, quand justement Max part de l'île et quitte les monstres. Oh, il a parté. Est-ce qu'il y a une question? Oui, s'il vous plaît. I love your film. I think it was great, but I also think the book is even greater. Moi, je continue en français. Les différences entre le livre et le film, j'ai deux questions. Dans le livre, on dit au petit garçon qu'il a fait des bêtises, bon, tu vas au lit sans manger, sans dîner. Et à la fin de l'histoire, quand il regarde sa chambre, il voit son repas qui a été porté dans la chambre tout chaud. Donc, voilà. Et alors, là, il se retrouve dans les bras de sa maman. Et quand il quitte l'île des monstres, dans le livre, il les fuit, il les rejette, comme s'il rejetait ses cauchemars, alors que là, on le voit dire au revoir, voir papy, mamie. Bon. Ça fait un peu plus doucereux, un peu trop sweet, quoi, un peu trop tout ça, par rapport au livre qui, lui, est un peu plus brut de décoffrage. Alors, pourquoi ce choix? Merci.
how we failed again. on a pas réussi là encore. I don't know. I'm not sure if I have a good answer for that. Pas vraiment, c'est-à-dire qu'on nous interroge toujours pourquoi vous n'auriez pas aimé faire le film que j'aurais envie de faire, en fait, si je peux le faire. Je sais pas si j'ai une bonne réponse. Alors, je sais qu'il y a des différences. And also, one of the things is, the movie that you made of that book, I like that book better than the movie. Il y a effectivement votre film à vous que vous avez pu faire à partir du livre, et de moi aussi je préfère le livre au film que vous avez fait. Une petite question. Donc j'ai pas osé te dire tout à l'heure, Spike, que le jour où j'ai vu dans la peau de John Malkovich, je me suis pris la méga claque pour deux raisons. Une raison, c'est que j'ai trouvé quelque part un frère. Parce que oui, moi aussi, depuis que je suis petit, j'arrive pas à savoir ce que c'est la réalité, comment définir la réalité. Et je vois que ça revient dans tous les films, c'est-à-dire que la réalité est indéfinie, et qu'il y a entre guillemets une confusion entre la réalité et l'imaginaire. Et le deuxième thème que je retrouve souvent, donc j'aimerais que tu me parles de deux thèmes, le thème de la réalité et de la solitude. Well, that's a very good question, and I feel like those are the kind of questions that you get in France, in a good way. I don't know if I have a good answer for it, but both are very, you know, I understand. Who's speaking, by the way? Okay, sorry. I was listening. Both of those, I do understand what you're saying, and I relate to them, and you probably articulated it better than I could have ever, or would have ever articulated it. But I appreciate it relating to you on it. C'est une très bonne question. Moi, c'est le type de question qu'on a en France, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Je ne sais pas bien comment je vais répondre, si je vais avoir une bonne réponse. En tout cas, je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est quelque chose que je ressens, effectivement. Et vous le formulez sans doute mieux que moi. And we're doing press today with the French press, and just the sensitivity in which it seems like, you know, French people watch movies and probably just, you know, relate to art in general is really inspiring. And I think that's something I've always gotten from coming to this country, and the people I know that are French artists, the way they are, and I think I've met Daft Punk. I did their first music video, and just when I met them, they were young too. They were probably like 22 years old, and they just had such a clear idea of who they wanted to be as artists, and I don't know, something that I admire and appreciate. Oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui on avait une journée de rencontre avec la presse. Il y a, je crois, en France une sensibilité particulière chez les spectateurs de cinéma. Il y a probablement aussi en France une sensibilité particulière, un rapport particulier avec l'art qui, effectivement, est très, très inspirant. C'est en tout cas ce que je ressens à chaque fois que je viens dans ce pays. Je me rappelle notamment, j'ai fait le premier vidéoclip de Daft Punk, ils étaient très jeunes quand je les ai rencontrés, 22 ans je crois sans doute, et c'était très surprenant à quel point ils étaient très déterminés sur quel type d'artiste, quel type de travail artistique ils voulaient faire. Oui, une question. Je voulais savoir ce qui s'était passé entre... je pense que c'est une période un peu inquiétante entre la fin du montage et le moment où les monstres ont eu leur vrai visage définitif. Je suppose qu'il y a eu un temps assez long et qui devait être assez inquiétant pour vous et les gens qui ont regardé les premiers montages. Oui.
C'est-à-dire qu'à la fin, at the end of the editing, oui, à la fin du montage, les monstres n'avaient pas leur visage définitif, puisqu'ils avaient juste les visages des monstres avec lesquels vous avez tourné. L'image de synthèse est venue après, il y a eu une période assez longue, où en fait, il ne se passait rien, en fait, entre les personnages. When we shot the film, we shot the film with entirely static faces. So we had these creatures, and they were furred, and they were beautiful, but they didn't move. And so we shot and edited in that form, and we got really used to it. We got very used to seeing them in that way. And it was this very, in a way, a really different movie, because it was like this kabuki-like movie. And with that, it's, in a way, it was a stranger film, kind of more surreal. But the trade-off was once we got the faces, it added a whole layer of depth to it. It was definitely a different movie. And we edited for so long that it became something we were really familiar with. Yeah, I mean, because in a way it was kind of an experimental film in, like, at least for us, because we didn't really know what that was going to look like when the faces were done. We didn't, you know, I had a hope of what it would feel like, that I wanted these giant creatures with these big mouths and big teeth to have these very subtle, nuanced, internal performances. But until we actually, you know, got into it, we didn't really know if it was really going to work, or if it was, because you're also doing something, I'm always wary of doing like real visual effects, especially where you're looking at, like, and the face is exactly where you're looking, obviously, it's, you know, you're watching their eyes and their faces, and so it was scary to do this visual effect right in the middle of, you know, the most important part of the shot, but I think, you know, I was really happy with the work that the animators did and the balance that we found of creating the style of that animation. Oui, effectivement, quand on a tourné, les visages étaient complètement statiques. On avait ces magnifiques monstres avec des très belles fourrures qui bougeaient très, très bien, mais les visages étaient complètement statiques. On a tourné comme ça, on a fait effectivement le montage comme ça. Donc c'était un film très très différent, hein, une espèce de film genre kabuki. Comme ça, des visages assez erratiques, et c'était plus étrange, plus irréel, et l'ajout des visages, bien sûr, a donné comme ça une profondeur très très particulière. C'est vrai qu'on était, c'était un processus quasi expérimental, hein, parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait donner une fois qu'on aurait mélangé les visages vraiment animés et tout ce qu'on avait pu tourner. Je savais que ce que je voulais vraiment, c'était d'avoir ces personnages qui ont des grandes bouches, des grandes dents, et qui en même temps pourraient sur leur visage comme ça porter tout un tas de nuances et toute une palette de sentiments, mais je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Je fais toujours très très attention effectivement aux effets visuels. Je réfléchis toujours là où le regard du spectateur va se porter. Et par exemple, là, je savais très bien que sur ces visages, ce que les gens regarderaient d'abord, c'était les yeux. Hein. Donc, à la fin du compte, j'étais très très heureux du travail qu'avaient fait les animateurs, le résultat final. Oui, bonsoir, excusez-moi, petite question. Je me demandais si la psychanalyse qu'on entend en Occident, c'était pas la raison pour laquelle les films indépendants américains étaient justement très bien acceptés. Est-ce que vous avez parlé de psychanalyse et de philosophie au scénario? Et est-ce que Carole peut être, je sais pas, le surmoi de Max, ou est-ce que je peux chercher dans ces zones-là, quoi? Bien sûr.
étudiants de la Thémis qui sont venus normalement, est-ce qu'il y a des questions du côté de chez eux ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. Bonsoir. Alors, moi je voulais revenir un petit peu sur le processus d'adaptation, parce qu'on a vu pas mal d'adaptations tout au long de l'année. Je pense à Watchmen d'Alan Moore, à Dolores de Cormac McCarthy. Et là, on a un troisième bouquin culte qui est adapté, c'est Max et les Maxi-Monstres. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une recette pour que l'adaptation soit réussie et quelle était pour vous une bonne adaptation. No, I don't think there's a recipe. I'm not sure that I would know even. Heureusement qu'il n'y a pas de recette, sinon les réalisateurs ne seraient que l'instrument en fait de recette qu'il faudrait appliquer, alors qu'un film est a priori justement un prototype, me semble-t-il. I mean, I think for me, I haven't seen The Road yet, but I want to see it. I don't know if you can make a literal adaptation of a book and it be that, you know, it's, you know, then if it's so literal, then you should just read the book. But that I think you make what the essence of the book is to you, and you try and make that, you know, the most exciting. Il n'y a pas de recette, en tout cas, que je connaisse. Hein. Je n'ai pas vu la route. En tout cas, j'ai très, très envie de le voir. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'adaptation littérale. Parce qu'en fait, si vous faites une adaptation complètement littérale, ça suffit peut-être juste de lire le livre. Je pense que ce que vous faites dans l'adaptation, c'est que vous essayez de rendre ce qu'est l'essence du livre que vous. Une dernière question. Oui. Merci beaucoup pour votre film. Je voulais vous demander, en fait, quand j'ai vu votre film, j'ai vu à un moment donné, en fait, c'est juste sur un détail du film, parmi toutes les choses en fait, auxquelles m'ont fait penser votre film, il y a la scène où il décide de résoudre les problèmes par rapport avec la guerre. J'ai vu que ce n'était pas une solution, mais ce qui m'a marqué, c'est que en fait, j'ai pensé à George Bush, en fait. Et je ne sais pas si vous savez, en France, George Bush était représenté au Guignol de l'Info par un enfant de 9 ans qui jouait à la guerre, à l'époque où il était président. Est-ce que vous avez entendu parler de cette marionnette? Est-ce que vous avez pensé à ça en faisant le film? No, I didn't know that. But that sounds like a good television show. And but I didn't write that part of it. Our co-writer Dick Cheney wrote that part of it. Je ne connaissais pas ça, mais ça a l'air d'être un programme de télé tout à fait intéressant. J'ai pas écrit cette scène, en fait, c'est notre co-auteur Dick Cheney qui l'a faite. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on peut remercier.